Y a tout. Donc, on rappelle Pokémon Ambre. On découvre le jeu, chill. On n'est pas en Nuzlocke, tranquillement. Voilà, on est là, on est en détente. On regarde un peu ce qui se passe. Ce jeu nous fait juste rigoler. On rappelle, on a toujours notre petit Godbird non désiré, Sharknado niveau 1. D'ailleurs, Sharknado, est-ce qu'on va pas lui prendre... Ah merde, lui, il avait l'autre chance. Ouais, bon, après, on va juste donner le multi-expérience. Bing, bing. Alors, attends, le son du jeu, moi, qui est un peu... je sais plus où c'est. Ah, multi-expérience, voilà. Et lui, on va lui redonner l'œuf chance. La carte, on doit aller ici, à Fairview. Voilà, parce que là, on est à Springfield. Et on doit passer par la route 95 et aller à Fairview. Donc voilà. Un pochamp, je pense. Ah oui, mais dans Fusion. Ah ouais, épisode de Fusion. Ah, je spoil pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais... ouais, ouais, allez voir l'épisode de Fusion aussi si vous l'avez pas vu. Du coup, alors normalement, je voulais faire les lives de Ambre les lundis et les mardis. Mais demain... demain je vais au restaurant avec ma copine et du coup bah en fait c'est pour ça que je peux pas faire le live demain, du coup je le fais ce soir. Mais c'est bien parce que les dimanches il y a plus de monde, donc c'est mieux le soir, le dimanche c'est bien, non? Donc du coup le prochain live ce sera mardi après de Pokémon Ambre, vous avez capté? Bah vous m'excuserez, je dois aller au restaurant, voilà, le canard. Oui, le canard c'est ce que je vais manger, ça c'est pas pareil. Bon alors du coup, allez on continue. Bonjour madame, quand j'étais petite je me baladais au bord du fleuve de la route 95. Ça ne m'intéresse absolument pas. Alors maintenant on va continuer. Hop 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 hop, c'est pas des journaux ça? Ah, mesdames et messieurs. Hein? Voulez-vous lire le psychoquac déchaîné? Ah, c'est une référence au canard enchaîné. T'as capté la ref? Paris truqué. Lors du précédent tournoi de rugby match hopper, il s'avérerait que l'équipe de San Francisco s'est montrée particulièrement faible. Les match hoppers ont-ils reçu comme consigne de se laisser battre par l'équipe de Red Apple? Ou ont-ils été directement soudoyés par des lava cookies? C'est en tout cas ce que laisse entendre notre enquête exclusive. Oh! Quoi? Quoi? Non! Oh, qui l'eût cru? Bref, continuons. Mais ouais, kiffant. What? Encore lui? Mais c'est pas possible! Ah, attends. Oh, ah, j'ai pas mon effet de voix. Attendez, hop, attendez. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, top 3 films de Nolan. J'ai pas vu tous les films de Nolan, j'en ai vu pas mal, mais j'ai pas... Ouais, non, oui, oui, non, ok, ouais, ouais, on peut dire top 3, ouais. Mais c'est pas possible, tu nous suis partout. Cette fois, on ne peut pas se permettre de te laisser filer. Sinon, bah, le boss, Max, mais tais-toi! Cette fois, Morveux, tu es pris en otage par la team Foudre. Je suis pris en otage de rien du tout, mais lâchez cette grand-mère! Qu'est-ce que vous lui faites à cette pauvre dame? Nous devons disposer des Voltorbs aux quatre coins de la maison. Ah, c'est des Voltorbs les... Mais vous êtes complètement tarés, vous voulez faire exploser une mamie dans une maison, mais ça n'a aucun sens! Ah, super. Ces exploses, personne ne survivra. Mais c'est archi débile! Même nous, Max, je gère. Quoi? Tu gères rien du tout, mais nous ne partirons pas d'ici tant que nous n'aurons pas récupéré ce que nous sommes venus chercher. Oui, et c'est quoi? Que je suppose que vous n'êtes pas venu chercher la mamie? Exactement. Cette vieille dame va gentiment coopérer et nous fournir les codes d'accès aux boîtes PC de tous les dresseurs de la région. Quoi? Cette grand-mère est un hacker? Sinon, on fait sauter sa maison. Ok. Jamais! Ah oui, quant à tes Pokémon, on va les mettre en hors d'état de nuire. D'accord, mais c'est n'importe quoi. Bon! Pour l'instant, ma full faiblesse électrique me fait dire que c'est un peu compliqué de les affronter, mais bon. On s'interdit les objets, toujours. On n'est pas en Nuzlocke, mais on s'interdit les objets, histoire de montrer quand même que, bon, on sait jouer au jeu, quoi. La pauvre avoir un acquit aussi teubé. Bah, après, j'ai pas vraiment compris le... Enfin, bref. On verra bien, mais bon, oui. J'ai vu Inception, Tenet et Interstellar. Ouais, moi j'ai vu... Bah, il y a le Batman aussi. Il y a Dark Rising, je crois, c'est ça? Le Batman, il est incroyable. Batman de Nolan, il est fou, il est fou. Peu importe, tu es toujours notre otage. Alors, je veux pas mourir, par contre, hein. Max, mais... Non, mais c'est pas vrai, mais... Ok. Tu n'as fait qu'éviter un éclair. Mais tu n'arrêteras pas l'orage. J'ai compris la référence électrique.
Heureusement que ce n'est pas encore un Dracaufeu. Sinon, ça pue pour les combats Togepi qui évoluent au vol. Ouais, j'avoue, je vais faire une monovol en fait. Dark Knight top 1. Ouais, Dark Knight, il est fou. Hein. T'es arrivé juste à temps. Approche. Oh, il recrute de plus en plus jeune dans l'ONAS. Ah oui, alors l'organisation des machins secrets. Non, alors moi, je suis pas de l'ONAS. Oh putain. Sbire. Foudre, toute l'équipe de l'ONAS est là pour vous arrêter. Mais elle est où la team foudre? Nos sources nous ont assuré que la team foudre préparait quelque chose dans cette maison. Ils ont juste laissé ces Voltorbs et ils sont partis. Oh non, ils ont été chassés par ce jeune, charmant jeune homme au plus grand des sexy. Ça veut rien dire. Enfin bref, je suis beau quoi. Ne fais pas ton timide. Eh oui, c'est moi. Quoi, Kume? Quelle surprise! Tu connais l'agent spécial Evan Zunt? Oh que oui, c'était un vieil ami, tu sais. Tu es un agent secret de l'ONAS, toi aussi. Non, je ne suis que... consultant. Alors, Kwakubé est arrivé là au bon moment. Comme à chaque fois, d'ailleurs. C'est pas la première fois qu'il arrête la team foudre. Kwakubé, j'ai des présentations à te faire. Mais d'abord, nous devons neutraliser ces Voltorbs. Veux-tu nous aider? Oui. J'en étais sûr. Sydney, Peters, Kwakubé, au travail. Mais tu sais, ça pourrait limite être un petit peu un truc de fou. Imaginez, depuis le début, je fais aussi partie de la team foudre, mais je fais exprès de démanteler leur organisation pour que Evan Zunt voit ce que je fais pour intégrer l'ONAS pour ensuite les dissocier de l'intérieur. Et ça, ça serait un plan de fou zinzin, ça. Ça, ça serait un plan de malade mental. Essaye de capturer. Bah, ça y est, Voltorb, il pue la merde. Recruter des gamins de 11 ans plus rapides et efficaces que des gens du FBI. Eh oui, Evan Zunt évidemment une référence au film John Wick. Trop fort le mec, j'attends tellement un moment où un perso dit quoi et t'appelles Kwakubé. C'est un peu le but de la blague après. Je te présente Sydney et Peter, ce sont deux agents secrets qui travaillent aussi dans Polonas. Et je te présente aussi Rosa. Voyons Evan, c'est inutile de me présenter, Kwakubé doit très certainement savoir qui je suis. N'est-ce pas Kwakubé? Oh putain, c'est ce qu'elle dit vraiment en plus. Eh bien, je... Ouais. Tu as bien dû voir que le PC dans lequel tu stockes tes Pokémon porte mon nom. Ah... Voyons, Evan, puisque tu es là, dis-moi plutôt comment bat ta mère. Ah, oui, ça parle de maman directe. Hein, Evan, comment elle va ta mère? Hein? Cette... Il n'y a pas de quoi se moquer, eh ben, elle est à la retraite, ouais, tout simplement. À la retraite? Alors Monsieur Zunt n'est plus la maîtresse de la ligue... Madame Zunt n'est plus la maîtresse... Ah, what the fuck? Ouais, ma maman a longtemps été la maîtresse de la ligue Pokémon d'Unitaire. Mais malheureusement, non. Elle se fait vieille et elle perd un peu la tête. Vous savez, elle vient encore dans sa petite maison à côté de la ligue, là, elle est complètement défoncée, enfin bref. Revenons à Zoanowatwa. Coupé, je sais pas ce que je peux... Je sais que je peux te faire confiance. Rosa travaille aussi pour le NAS. Oh, c'est pas grand-chose. Je vais te montrer. Voilà comment tu le vois, c'est mon système de stockage de Pokémon du PC. Grâce à ce système, je peux pister les flux de Voltorb. Bah oui, les flux de Voltorb. Quand un grand nombre de Voltorb est déplacé vers un même endroit, en très peu de temps, je préviens le NAS dans la team foot, prépare... Ah. Eh oui, c'est grâce à Rosa qu'on a été mis... Attends, en fait, Rosa, c'est la hackeuse du groupe, quoi. C'est la meuf... Ah ouais, c'est fou. Oh non, Evan, ne me dis pas ça, voyons, je le fais qu'aider comme je peux. J'ignore si la team foot est au courant de notre stratagème. Sans doute qu'ils espéraient voler des Voltorb en ayant accès aux boîtes d'autres dresseurs. Kwakubé, grâce à ton courage, tu as aussi réussi à les en empêcher. C'est pourquoi je t'invite à te rendre dès que tu peux. Au QG de l'ONAS. Il se trouve à Building Town. Oh! Incroyable. Allo, close. Trop beau. Et surf. Bah super. Sydney, Peter, il est temps pour nous de nous mettre au travail. Allez, on se casse. Quel plaisir de te voir sur ce jeu de dingue. Ah non, mais le... C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Mais du coup, elle, c'est la hackeuse. Putain. Ah non, j'ai rien dit. Ah, les journaux. Ah, les mots fléchés. Mesdames et messieurs, sa mort en trois lettres. Sa mort en trois lettres. Abo. Ah, je dirais bien Abo.
Yes, aïe. Ah, c'est... En même temps, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui ont que 3 lettres. Donc en même temps, c'était assez facile. Ok, je suis à Fairview. Bonjour. Je sais pas ce qu'elles ont toutes avec leur Pokémon Psy dans cette ville. Mm-hmm. C'est une ville de Pokémon Psy? Oh putain. Oh, je sens que ça va être chiant. Bienvenue à Fairview, Kwakubé. Tu devrais faire un tour à l'arène. Mais comment tu sais comment je m'appelle, toi? L'arrivée de Monsieur Mime. Oh non, tout sauf ça, s'il vous plaît. Tu ne vois pas que je suis en pleine manucure? D'accord. Pardon. Excuse-moi, je... Maison de Gabriel. Maison de Linette. Linette, c'est pas la meuf du PC aussi? Allez hop, tu dois partir à la chasse au badge. Tu veux que je te dise comment ma maman fait pour être si forte? Elle utilise ça. D'accord. Ma maman prend de la drogue. Regarde un peu comme il s'amuse, mon snobili nounou chinou mene mene. Eh bah toi t'es nul comme un Magikarp. Et toi d'abord, t'as une tête de Nosferapti. Ah ouais, ça c'est rude par contre. Bonjour madame. Ma maison est toute propre. Donc là il y a que des femmes, c'est ça? C'est Annette Palinette. C'est pas le nom de Desperate Housewife? C'est pas les noms de Desperate... Oh! Mais non! Linette, Gabriel, Suzanne... Attends, c'est... Oh, mais incroyable! Desperate Housewife! Attends, mais c'est qui, là? Comment elle s'appelle, la meuf, là, qui un peu latina, là, qui pas du tout... Enfin, bref, c'est une question comme ça, quoi. Ah, c'est Gabriel! Moi j'ai jamais regardé des... Enfin moi je dis comme ça, hein, mais j'ai jamais regardé Desperate Housewives, hein, enfin je... Ça y est aussi, bizarre, l'ambiance c'est chelou quoi. J'ai encore un accident de télékinésie. Ah, cuillère tordue. Eva Longoria. Ouais, c'est Gabriel, ok. Oh une balle, un bizarre en sang, oui. Yeah. Brice et Larousse, oui c'est vrai. On a tous au moins un épisode qui passait par là. Ouais. Moi, je regardais parce que ma maman, elle regardait, tu vois. Donc, ma mère, elle regardait ça. Donc, moi, j'étais forcé de regarder. Moi, j'étais pas du tout en mode waouh, incroyable. Toutes les saisons en DVD que j'ai regardé peut-être 2 fois. Enfin, jamais. Alors, du coup, bonjour la championne. Ah, désolé, elle est morte. Comment ça, mon ref? Qu'est-ce qui. Non, t'en fais pas, elle a enregistré de son vivant. D'accord. T'en fais pas, elle a enregistré de son vivant le combat qu'elle aura contre toi. Elle était voyante. Il faut juste que t'ailles chercher la cassette. Allez, par contre, elle se trouve dans un coffre inviolable, protégé par 4 verrous. Ses amis et voisines possèdent les clés, hein. Donc il faut que tu les affrontes, toutes les 4, pour les récupérer. Et en fait, lorsque t'auras les 4 clés, tu devras te rendre chez Marie-Alice pour récupérer la cassette. Et en fait, tu devras mettre la cassette dans l'appareil qui se trouve au fond de l'arène pour affronter la championne. Ok. Ah, nœud neuf. Championne, elle est morte. Non, ça, c'est trop grave, ça. Non, ça, c'est trop grave, ça. Ah, t'es là pour la championne? Elle est morte. Non, ça, c'est... Non, ça, c'est trop, ça. Ça, c'est trop, frère, ça y est. Je meurs pas. Ouais, j'ai pas des levels de fou zinzin. Hein. Et donc là... Ah, il est là le coffre. La cassette. C'est bon, j'ai la cassette, les gars. Je possède la cassette.
Alors j'ai pas une CT un peu forte là que je pourrais mettre là pour gagner un peu là. En vrai gonflette ça peut être bien non? Ok trop bien. Oh là là, what the fuck. Voulez-vous insérer la cassette? Oui! Oui! Ne sois pas surpris, ma voix est enregistrée. Je savais que tu viendrais, Kwakubé. C'est pourquoi, avant de me donner la mort, j'ai... J'ai enregistré sur cette cassette les ordres que je donnerai à mes Pokémon. Oui, je sais déjà quel ordre je devrais leur donner, car je sais déjà comment se déroulera ce combat. Et j'en connais déjà l'issue, oui! Alors moi j'ai quand même une question. Elle connaît l'issue de ce combat. Mais si je perds et que je la réaffronte, elle va faire la même chose. Parce que c'est enregistré normalement. C'est un peu biaisé tout ça. Comment elle fait pour perdre? Mais ça se trouve elle perd pas. Ok, peut-être elle perd. Peut-être elle perd, j'avoue. Vas-y, moustache neuf. Attends, j'ai eu un drop de DSP là. Oh, bien joué. What the fuck? Ouah, ça va être chaud. Wait. Sharknado ! Métronome ! Non ! Tout se joue entre Godbird et toi. Attends, mais j'ai perdu 100% là. Ah. What the fuck? Attends, mais... Non, mais c'était pour... Attendez. Non, mais c'était pour tester la théorie. Attendez, c'était pour tester la théorie. C'était pour tester la théorie, attendez. Littéralement, je suis littéralement mort. Non mais one shot, c'est un délire par contre. Par contre, en vrai, il faut que je mette lui en first. Enfin quoi que non, c'est juste que le mentally. Ouais non vas-y, faut que je fasse comme ça. Ok c'est bon, je sais comment gagner. Elle a juste pas psycho. Bah en même temps, c'est Kadabra frère. Non mais, c'est... non mais on va tester, on va tester. Ah, voulez-vous insérer la... Oh, bizarre! Bizarre! Je réinsère... J'ai fait un bond dans le temps, tiens. Ah, mais c'est qui met protection? Oh. Merde. Alors, je voulais faire reflet, moi, à la base. Ah oui, mais en fait, je peux juste le... Je peux juste le full troll, en fait. En fait, je peux juste gagner de manière très pute. Joyeux anniversaire. Mais c'est pas aujourd'hui, Dilek! Ça porte malheur! Oh là là, ça y est, on est foutu. Oh, les 7 ans de malheur. Oh, les 7 ans de malheur. Oh, le passage sous une échelle. Oh là 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 là, c'est fini. Ah là, c'est fini. C'est fini. Là, je vais sortir de chez moi, je vais trébucher. Voilà, ce sera la faute de Dilek. Oh, oh là là, terrifiant. C'est trop 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 beau. Arrête de me draguer, Dilek. Pas, pas de ça entre nous. What the fuck? Ok. Bah, c'est bien. Bah, c'est bien. Oh, les dégâts de fou zinzin du mentally. Mais what the fuck? Ouah, les dégâts du mentally, c'est abusé. En fait, il faut que je garde Léviator contre mentally, en fait. Comment ça
marche, saisi. Oh putain. Oh, mais c'est quoi ça? Bon bah j'ai pas trop le choix, je crois. Mais attends, mais... En fait, vous savez que je crois que c'est littéralement pas possible de gagner, en fait. Oh! Let's go, moustache 9! Oh là là! Oh, moustache le goat! Oh putain. Oh oui! Sharknado. Et sous level aussi. Ouais, mais ça fait un peu de défi, tu vois. Bon, ok, c'est bon. Kwakubé, tu dois maintenant rendre visite à Bri pour obtenir le badge que tu convoites. Quoi? Ah bon, ok. Encore une faiblesse vol. Écoutez, les méchantes de cette histoire sont des champions de type électrique. J'ai une mono-faiblesse électrique. On est bien. Peut-être qu'il va falloir changer un peu la team. Je suis d'accord, peut-être qu'il va falloir changer un peu la team. Mais ça, c'est autre chose. Bon, Bri, t'es où? C'est elle, Bri, je crois. Perdre deux fois de suite contre une femme au foyer désespéré, ça aurait été la loose. Ah ouais, agressif lui. Kwakubé, j'ai pour mission de te remettre ceci. Le badge de voyance. Je sais pas si Marie-Alice t'a prévenu, mais le badge de voyance permet de contrôler le Poké-Expert low class. Oh, psycho, oui, génial, merci. Quelle action! J'aimerais y avoir de l'action. Ce graffiti doit sûrement exprimer un message très profond. Non au feu, foudre. Pour faire méga évoluer un Pokémon, appuie sur Shift ou Z au début du combat avant de sélectionner une attaque. Hein? Il y a les méga dans le jeu? The fuck? Ça doit vouloir dire de se faire un petit tout mignon. Ouais, je pense aussi, moi. Mon pote. Wesh, 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 t'es qui toi, wesh? Là, t'es sur notre territoire. Enfin, notre toir-terri. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Wesh. Police. Vous êtes en état d'arrestation. Mais wesh, on ne discute pas. Tout ce temps que vous êtes, suivez-moi. Tu croyais t'en tirer comme ça? Hein? Oui, toi! Non. Non. Moi, je suis pas avec eux. Suivez-nous! Ah, bon, mais je... C'est bon, on peut y aller. Hein? Bon, et plus que ça. J'ai arrêté à moi tout seul ces racailles qui traînaient en bande à l'entrée de la ville. Je suis fier d'avoir une fois de plus contribué à la sécurité des habitants de Burning Down. Bien, laissez-moi m'en occuper. À nous. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici, bande de petits merdeux de cons. Vous voyez, dans les films, il y a le gentil flic et il y a le méchant flic. Eh bien moi, il n'y a que le méchant flic. Voilà. Je suis là, je suis là pour vous faire copier derrière les barreaux. Eh. Hey. Tiens, tiens, tiens. Evan Zunt. Bonjour, Kwakubé? Mais qu'est-ce que... Bonjour, agent spécial Evan Zunt. Ces gardements étaient impliqués dans je ne sais quel trafic de drogue et en plus d'être humain, saupoudrés de trafic d'organes. Et je n'allais pas tarder à le savoir. Commissaire, il doit y avoir erreur. Kwakubé est un ami et c'est moi qui l'ai invité à me rendre visite à Burning Down. Toutes mes excuses. Pas de problème maintenant. Si vous le permettez, je vais m'entretenir avec Kwakubé. Lui par contre, je le connais pas. Hein. Te voilà enfin, Kwakubé. Ton arrestation tombe à pic. Le QG de Lonas se trouve justement au dernier étage de l'immeuble dans lequel se trouve le commissariat. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Il te suffit de prendre cet ascenseur et... Quoi? T'as fait tout ce chemin, tu n'es pas passé par le centre Pokémon? Allons, soigner ton équipe et je te ferai visiter le QG de Lonas quand tu reviendras. Je ne portais plainte contre la vieille dame au Snubble. Son Pokémon m'a mordu alors que j'essayais de voler son sac. Il a bien raison. C'est vrai que c'est con.
Il est plus là l'autre. Tu m'affronteras en dernier, j'ai du travail. Comment ça tu m'affronteras en dernier? C'est louche cette histoire. Oh bordel de merde. Même les wesh wesh doivent se soigner. Ah oui, c'est les save auto qu'on voit là. Ah, c'est stylé. Bon, c'est bon, je vais soigner mes Pokémons. Evan Zunt, j'arrive. Et voilà, au QG de l'Onas. Kwakubé, te voilà enfin. J'étais impatient de te faire découvrir l'Onas. Suis-moi. Kwakubé, tu connais déjà mes collègues espions, Sydney et Peters. Laisse-moi maintenant te présenter notre patronne. Mission accomplie, patronne. Voici le fameux Kwakubé dont je t'ai parlé. Kwakubé, je te présente Miranda, la patronne de l'Onas. I see. Kwakubé, je suis enchanté de faire ta connaissance. Je m'appelle Miranda. L'agent spécial Evan Zunt est l'un de nos meilleurs agents. Tout comme Sydney. Je ne fais que servir mon pays, patronne. Ainsi que Peter. Je prends soin de mes cheveux pour qu'ils conservent cette blondeur éclatante. Incroyable. Well, sans doute. L'ONAS est l'Organisation Nationale des Agents Secrets. Notre travail est d'acquérir des renseignements pour assurer la sécurité de la région. Nos espions sont des dresseurs qui possèdent des aptitudes variées et complémentaires. T'as compris, Sydney, parle couramment une quarantaine de langues. T'as capté 40 langues, mon pote. Elle est indispensable sur nos opérations extérieures. Et je sais dire polyglotte en plus de 60 langues, dont deux que j'ai inventées. Bien. Quant à Peter, j'ai du style, du charme, des muscles, des cheveux blonds. Je suis incroyablement beau. Toute l'équipe d'agents secrets a besoin d'un beau gosse. Ouais, j'allais dire que tu nous apportes des informations essentielles et que tu es le seul à obtenir. Je les soutiens aux méchantes, plus rarement aux méchants. En ce moment, j'ai une touche avec Scarlett de la Team Foudre. Thank you, Peter. Whatever, je suis un petit peu British. Tout au point, tous ont un point commun, ils agissent dans l'ombre. Kwakubé, l'agent spécial Evan Zunt m'a parlé de toi. Yes, je sais que tu t'es battu contre la Team Foudre et que tu as sauvé le président de la République. T'as un dresseur exceptionnel et ton courage est exemplaire. Et ça, that, c'est une qualité dont l'ONAS a besoin, you know. Kwakubé, j'ai une proposition à te faire. Je veux te recruter, mon pote. Tu serais agent secret. Dans l'ombre, tu combattrais la Team Foudre. Ta couverture ? Un dresseur quelconque qui a pour ambition de parcourir la route 99, de remporter les 8 badges, de battre la ligue et compléter son Pokédex. Tu devras donc continuer cette quête en parallèle de tes missions. Ni tes amis, ni ta mère ne devront être au courant de tes activités secrètes. Si tu acceptes, tu devras d'abord affronter et battre Sydney et Peter pour nous démontrer tes capacités. So, Kwakubé, est-ce que tu es d'accord pour rejoindre nos agents secrets? Well, tu seras recruté si tu bats Sydney et Peter. On donnera tout ce qu'on a. Oh, c'est un double! Ah non, toujours pas. La musique, sérieux! Voilà. Bravo, Kwakubé, une fois de plus! Tu es épatant. D'abord, tu remportes sans problème le badge terrier en m'affrontant à l'arène. Et maintenant, tu te retrouves au QG de l'ONAS en train de mettre une raclée à deux agents secrets. Ils t'ont engagé, toi aussi. Je ne te présente pas, boss. Oh que non, Kwakubé a gagné mon badge juste avant que vous me recrutiez. Exact. C'est juste après l'explosion de la Pokéband de Red Apple que j'ai eu cette idée. Je me suis rappelé que le champion d'arène utilisait des Pokémon de type sol. Or, nous affrontions une organisation électroriste utilisant des Pokémon de type électrique. J'ai pas fait grand chose à part vous prêter des topiqueurs. Rien que ça. Kwakubé confirmera, c'est l'un de tes topiqueurs qui l'a sorti d'affaire lorsqu'il s'est fait piéger par la Team Foudre. Ravi de l'entendre. Kwakubé, puisque t'es là, j'ai une folle envie de me prendre ma revanche. Quoi? Ok. Je crois pas qu'il y ait de combat double, je pense que c'est basé... Ouais, non, il y a pas de combat double, mais bon. Dommage, dommage, dommage. Trio Picker.
Quoi, Brem, il a banni Jules, là? C'est quoi, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le chat depuis tout à l'heure, là? Mathieu, on peut ban Brian pour abus de dictature. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Je m'en doutais. Attendez, là, je suis en pleine histoire, là. Quoi, Koubé, now, tu es un agent secret du service de l'ONAS. Quelle sera sa première mission? J'y viens. Kwakube, comme tu le sais, tout le travail de l'ONAS est centré sur la Team Food en ce moment. Or, il nous manque des informations sur leur prochain projet d'attentat. Tout ce que j'ai pu soutirer à Scarlett, c'est que cet attentat sera d'une ampleur inédite et fera plier le gouvernement. Et que Max n'est au courant de rien car il risquerait de faire une gaffe. D'après Rosa, un nombre important de Voltorb ont été retirés des PC, environ 2... Grass Farm à l'est de la route 93. C'est dans un entrepôt de cette ville que se trouve leur repère. Nous pensons qu'ils cherchent à protéger au maximum. À le protéger au maximum car ils craignent qu'on y découvre des informations sensibles. C'est là que tu rentres en jeu, Kwakube. Ta mission est d'infiltrer dans le repère de la Team Foudre afin de nous apporter les renseignements qu'il nous manque. Nous devons en savoir un maximum sur l'attentat qui se prépare. Surtout, n'y va pas sans Pokémon Sol. Moi et ma team mono faiblesse électrique. Ouais, t'inquiète. Right, c'est mieux si t'en as un sur toi. J'en ai plein. Dracaufeu, Léviator, Togetic, Eturaptor, Baudrive. Ma team a les calibrés, t'inquiète. Nous te donnerons un costume pour que tu te déguises en sbire. Oh, incroyable. Ainsi, tu pourras fouiller leur repère tranquillement. Si tu perds ta couverture, n'hésite pas à utiliser tes Pokémon. Le nom de code de cette mission sera... L'opération Paratonnerre. C'est ridicule. Peter, please, accompagne Kwakube dans le laboratoire secret pour qu'on lui remette ses gadgets. C'est des gadgets? Mais attends, mais c'est le Totally Spies ou quoi, là? Oh, je veux voir un cône poudrier. Oh! Comment il s'appelle, le vieux, dans Totally Spies, déjà? Jerry! Oh! Oh. Nanana. Ce nouvel agent, dois-je l'enregistrer dans mon logiciel de reconnaissance? Oui, au nom de Kwakube. Très bien. Vous pouvez désormais emprunter cet ascenseur. Le laboratoire secret. Peter, Kwakube, vous êtes arrivé au laboratoire secret? On va faire un live react Totally Spies, les gars. Oh, waouh! Professeur Smith? Mais vous êtes un agent secret de l'ONAS? Tu connais déjà le professeur Smith? Bien sûr qu'il me connaît. Il vient du bourg confetti où se trouve mon laboratoire secret. Comment ça, secret? Bon, vous connais votre laboratoire, monsieur. Tu vas avoir une combi en cuir moulante. J'espère bien. C'est donc toi, le nouvel agent. Il a dit pas secret. Ah, il a dit pas secret. Merde. C'est donc toi, le nouvel agent secret de l'ONAS. T'as pour mission de t'infiltrer dans le repère de la Team Foudre à Grass Farm. J'ai les gadgets. Pour commencer, t'auras besoin d'un costume. Je viens de t'en imprimer un sur mesure. Stylé. Le costume foudre se trouve dans ta poche. Trop cool, essaye-le. Wow, énorme, je serai encore plus beau gosse avec un tel costume. Avec ce costume, tu passeras inaperçu dans le repère de la Team Foudre. Mais tu ne dois surtout pas le porter en dehors. Sinon, tu te feras arrêter par la police. Maintenant, passons aux gadgets. Je sais que t'es censé t'infiltrer discrètement, mais il vaut mieux te préparer à l'éventualité de devoir combattre la Team Foudre. Feu à tenir ton Dracaufeu, appuie sur Shift ou Z dans un combat. Pourquoi j'ai pas eu la X? Non, pourquoi j'ai pas eu la X? C'était un dragon, c'était incroyable. Pourquoi j'ai pas eu la X? Non! Tous ces gadgets seront nécessaires. Il viendra un temps où le Gopix aura besoin de ses queues. Il viendra un temps où Gopix aura besoin de ses queues. Okay. J'allais oublier le plus important. Un cherche-objet. Bien sûr, tout espion doit avoir un cherche-objet. C'est un appareil qui te permet de repérer les objets. C'est un peu chiant à utiliser, mais sinon ce serait trop facile. Il faut l'activer depuis l'objet rare de ton sac, il va émettre des ondes, ça permettra d'avoir des objets. Enfin bref, je te passe les détails, quoi, c'est un peu chiant. Mon rendez-vous chez le coiffeur, oh merde. J'ai un dernier gadget qui n'a rien à voir avec ces opérations, mais qui fera de toi un véritable espion de l'ONAS. L'ONAS Paper. D'un faux journal qui ressemble à s'y méprendre à un vrai. Tu as sans doute déjà croisé de drôles de personnages assis sur un banc absorbés par leur journal. Ce sont probablement des agents secrets de l'ONAS. Assieds-toi à côté d'eux, ouvre ton ONAS paper, réponds correctement à leurs questions code et ils te donneront une mission. Ces missions sont indépendantes de ta quête principale et te feront gagner un salaire supplémentaire. Attends, mais c'est une dinguerie. Ça ne te dispense pas de compléter ton Pokédex. Mais professeur Shen y tient beaucoup.
En vrai, c'est stylé de fou zinzin, en vrai. Hein. J'adore le délire que ça prend. Hein. J'aime trop le délire que ça prend, vraiment. Hein. Pourquoi je sens le scénario où le méchant principal, c'est un de nos alliés? Je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien le délire que ça prend. Je vous avais dit que ça serait un petit live aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là, en tout cas, les potes, parce que je dois aller manger à 22h avec ma copine. Demain, pas de live. Désolé, c'était prévu comme tel. La reprise du coup de Pokémon Ambre, ce sera mardi. Déjà, oui, je suis désolé. Ce sera mardi. Il y a la rediff sur la chaîne replay. Point d'exclamation replay dans le chat. Et vous aurez la rediff sur la chaîne replay. Aujourd'hui, je vous ai... Il y a quand même aujourd'hui une vidéo Yu-Gi-Oh! Pokémon Infinite Fusion. Et ça, demain, rediff de live. Et mardi, la suite de Pokémon Ambre. Ça sera mardi à 20h sur la chaîne Twitch. Rendez-vous mardi du coup les gars, merci à tous, passez une excellente soirée, merci à tous et des bisous les refs, bye tout le monde.